Ouais, shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je vous parle directement d'ici, depuis New York. New York, l'état de New York, il est pratiquement 11h44 à ma montre, 12h44 à ma montre, autant pour moi, heure des États-Unis, heure de New York. Voilà, nous venons de passer un séjour très agréable. Ici aux États-Unis, un séjour très très agréable. Par la grâce de Dieu, nous prenons maintenant la route pour Baltimore, l'état de Maryland. Voilà, donc tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Vous avez eu le maréchal hier à l'ONU. Voilà, maintenant là, c'est Excellence Maréchal. Hein. Maintenant là, c'est haut de gamme. Hein. Les combats que nous faisons là portent beaucoup. Les combats que nous portons posent beaucoup parce que l'ONU, vous voyez là, lutte contre, siège pour le droit de l'homme. Et nous, nous travaillons aussi pour le droit de l'homme. Voilà, donc pour nous, nous luttons contre les crimes spirituels et la délinquance spirituelle. Donc nous avons notre mot à dire à l'ONU. Nous avons notre mot, j'ai ma place à l'ONU parce que je défends sur le droit de l'homme. L'homme a besoin de vivre, il y a aussi les crimes spirituels. Cette criminalité fait aussi assez de dégâts, des génocides et tout ça. Donc, j'ai aussi mon mot à dire à l'ONU. Ça a été ma première expérience de rentrer à l'ONU et tout ça. Voilà, donc, gloire à Dieu. C'est pour dire partout où nous sommes. Depuis Divo, les gens nous suivent. Hein. Les gens nous suivent et tout ça. Voilà, les gens nous suivent depuis ici. Ça ne m'a pas surpris parce qu'il y avait déjà, quand je quittais Divo, j'avais 49 000 vues. Pour les États-Unis seulement, 49 000 vues sur le YouTube pour les États-Unis. Donc les gens nous suivent. Hein. Et puis gloire à Dieu parce qu'on a aussi des gens qui nous soutiennent. On a aussi des grands, des personnalités qui sont mêlés aussi dans ce combat que nous menons. Voilà, bien que nous sommes attaqués, bien que d'autres nous vilipendent, bien que les gens rencontrent ce qu'ils ont envie de rencontrer, mais je pense que les gens aussi le discernement, ils savent ce qui est bon et ce qui est faux. Voilà, ils savent que nous sommes dans la vérité. Et ça que nous faisons aussi un combat très noble. Voilà, c'est ce qui est vrai. C'est ce que les gens doivent comprendre. Plus vous êtes dans la vérité que ceux qui font une publicité de dénigration contre vous, vous font la cote parce qu'ils vous permettent aux gens de vous connaître. Et c'est ça. Ces gens qui pensaient insulter le prophète, rencontrer des choses, disent des choses qu'ils pouvaient dire, ça permet aux gens de me découvrir parce que plus vous parlez mal de quelqu'un, les gens chercheront à savoir qui il est. Voilà, qui il est. Et quand les gens découvrent qu'il est dans la vérité, bon, du coup, ça accroche les gens et les gens leur apportent le soutien. Voilà, c'est un peu ce que nous vivons ici par la grâce de Dieu. J'ai appris beaucoup de choses. Je reviens grandi dans la tête et je pense que c'est un nouveau démarrage, n'est-ce pas, pour mes activités, pour le ministère et n'est-ce pas, une grande vision. Voilà, parce que maintenant c'est une vision internationale. Voilà, évidemment, quand vous sortez de l'ONU, voilà, excellence, oui, excellence confirmée. Ouais, c'est l'excellence, hein, maréchal. Quand tu sors de l'ONU, maintenant c'est excellence. Hein. Voilà. Maintenant, là, c'est pour dire, on est arrivé au sommet des sommets. On était à Divo, maintenant c'est sommet des sommets. Aujourd'hui, là, on a des gens qui peuvent nous soutenir depuis l'extérieur, qui peuvent gérer tous nos dossiers. Donc, on a plus affaire à l'Afrique, on a affaire au monde entier. Voilà, le monde entier qui se met dans le combat du prophète. Hier, il y a eu, n'est-ce pas, une interview avec une chaîne de télévision, ceux qui me suivaient depuis fort longtemps. Et donc, c'est pour dire que je suis suivi. Je suis suivi depuis le monde entier. Et les gens ont compris que ceux qui m'insultent sont du diable. On a échangé sur beaucoup de choses. Voilà, donc les gens sont prêts à m'apporter leur soutien. Et ça, gloire à Dieu, je bénis le Seigneur pour ça. Parce que le travail que je fais a besoin d'être soutenu. Parce que je lutte, les gens regardent bien, ils observent, ils écoutent, ils regardent. Ils savent qu'ils ne sont pas des mises en scène. Ils savent que le travail que le prophète fait, c'est un boulot très noble. Et c'est ce que les Occidentaux ont amené. Et ils sont rentrés aujourd'hui dans le ciel de lumière. Donc, dites ce que vous pouvez dire. Dites, continuez de dénigrer. Mais nous, on est devant. Le travail que nous faisons porte toujours parce que nous sommes dans la vérité. Et nous travaillons pour que l'être humain puisse vraiment, n'est-ce pas, suivi. Et que son entourage, qu'il puisse avoir un entourage très sain et libéré de la prison de la sorcellerie. Et nous aussi, nous travaillons pour le développement de l'Afrique. Voilà, donc nous avons notre mot à dire à l'ONU. Voilà, c'est pour dire, on peut partir des Divo et puis venir à l'ONU. Voilà,
On n'a pas forcément besoin d'être à Abidjan. On peut partir de l'ONU, des Arocos, dans un village, peut-être Brisa, et venir siéger à l'ONU. Voilà, donc on a notre place. Voilà, aujourd'hui, ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire, insulter le prophète, ils ont rencontré tout ce qu'ils pouvaient rencontrer sur moi. Mais le temps est un autre nom de Dieu. Le temps, vous voyez là, est un autre nom de Dieu. C'est le temps qui donne raison. C'est pour ça qu'il faut laisser le temps. C'est ce que je disais toujours quand les gens parlaient moi de moi. J'ai dit, je laisse, je n'interviens pas, mais le temps va beaucoup parler. Le temps parlera beaucoup de choses. Voilà, aujourd'hui là, vous savez qu'à l'ONU ici, c'est pas qui veut rentrer. Hein. Même si tu as envie d'entrer, c'est pas qui veut. Voilà, donc hier j'étais à l'ONU. Voilà, vous aurez l'occasion. Mais ça m'a permis d'avoir beaucoup de contacts. Ici aux États-Unis, même beaucoup de contacts, tout ça. Donc je reviens grandir, je reviens avec beaucoup de connexions, beaucoup de contacts avec, n'est-ce pas, une autre dimension du ministère. Une autre dimension. Je dis une autre dimension parce que vous allez voir ça dans mes interventions, dans mes manières de faire. Et puis, par la grâce de Dieu, et d'ici quelques temps, je reviendrai avec les investisseurs au niveau de l'Afrique, au niveau de la Côte d'Ivoire, qui viendront nous aider. Voilà, donc tout va bien, par la grâce de Dieu. Je suis en train de rentrer sur Baltimore, mon village. Baltimore, c'est mon village. C'est le meilleur coin, d'ailleurs. Je rejoins Baltimore. C'est à 4 heures du temps d'ici. Voilà, l'état de Maryland, c'est à 4 heures du temps. Sinon, tout va bien. C'est que le froid, là, c'est pas amusement, c'est pas camarade de quelqu'un. Ça lime quand fatigué, le bras même là. Voilà, donc tout va bien. J'arrive cette semaine là par la grâce de Dieu. Voilà, j'arrive cette semaine. Ouais, c'est vrai. Et les gens m'ont insulté. Ils m'ont insulté. Ils ont dit tout ce que j'ai donné. J'ai donné un couloir bas dans la bouche des gens. Oh, les gens souvent, ils regardent. Plus vous parlez mal du prophète, et ils vont regarder qui est prophète Crasso. Ils vont regarder qui est prophète Crasso. Et ils ont su le discernement. Il check pour regarder, on dit non, lui là, non, il ne mérite pas d'être insulté, il faut qu'on protège le travail qu'il fait. Voilà. Il faut qu'on protège le travail qu'il fait. Moi, il m'en fout si tu ne crois pas en moi. Il n'y a pas besoin que tu croies en moi. Moi, il m'en fout si les gens ne croient pas en moi. Le travail qu'il a fait là, ce n'est pas moi qui ai demandé, c'est Dieu qui m'a demandé. Je n'étais pas là quand Dieu m'appelait. J'ai toujours dit aux gens, on n'était pas là quand Dieu m'appelait. Hein. Voilà. Maintenant là, c'est le sommet des sommets. Hein. Je ne suis pas en train de discuter les plaisantins maintenant. On discute avec ceux qui prennent des grandes décisions dans le monde. Voilà, c'est pour dire que nous avons notre place. Voilà, vous nous avez insulté et ça nous a élevé. Parce que quand tu humilies, là, ça prépare l'élévation. Mais quand tu es dans la vérité, bien sûr, quand tu humilies, hein, Dieu t'élève. Et c'est ce que Dieu est en train de faire en combien de temps. Voilà, donc le Dieu que nous prions est le Dieu de justice. Allons seulement. C'est demain, l'avenir. C'est pour ça que c'est un autre nom de Dieu, le temps. Voilà, sinon tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, tout va bien. Les États-Unis, une bénédiction. Amen. Ils sont très forts dans la tête ici. Ils ne sont pas dans les gnani, 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 gnani. Ils disent, ils font ça. Ils ne sont pas dans les trucs. Les Américains, ils sont trop concrets. Ils ne sont pas là dans les conneries. Voilà, quand tu es avec eux, tu fais avancer. Qui ne sont pas prêts pour toi, ils te disent la vérité. Chez nous, là-bas, là, de l'autre côté, on est hypocrite, on est là. Petit agent du prophète, on veut manger ça. Là, ici, là, ils ne sont pas là pour ça. Ils t'apportent l'aide sur tous les plans pour grandir. Voilà, donc Jésus qui m'a appelé la même beaucoup. Les jaloux, ayez migraine. Ayez migraine, les jaloux. Sinon, je vis, hein, allons seulement. Les jaloux, là, ayez migraine. Vous êtes là, vous voulez qu'on mange les gens. Vous voulez que les sorciers mangent les gens, quoi. Qui vivra, verra. Ouais, qui vivra, verra. Allons seulement, qui vivra. Qui vivra, verra. Tu as vu, non? Monsieur la limousine dit, qui vivra, verra. Faut vivre seulement pour voir. Qui vivra, verra. Allons seulement. Qui vivra, verra. Voilà. Allons seulement. Moi, je lutte hein, pour que les sorciers ne mangent plus les gens. Et moi, comme ça, c'est moi vous dénigrer. Vous me dénigrez, vous m'insultez. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Vous parlez mal de moi. Vous me traitez de Satan. Pourtant, Satan ne peut pas délivrer Satan. Vous traitez aujourd'hui, là, je suis à l'ONU. Hein. Ouais. C'est la guerre maintenant. Hein. Ça veut dire qu'on n'est plus camarades. Hein. Celui qui m'insulte, là, c'est la police. C'est l'ONU qui a eu le miloté chez lui à la maison.
C'est l'ONU, hein. Voilà, c'est les Nations Unies. Hein. Il y a des choses, on ne dit pas, on est là parce qu'on est en direct. Mais c'est pour dire, on n'est plus même chose maintenant. Hein. Voilà. Continuez de m'insulter, ça m'élève. Voilà, donc on vient de rencontrer, on a quitté le sommet, l'ONU. Le sommet, c'est la grandeur. On ne parle pas, non, on travaille. Les gens ici, là, ils travaillent. Ouais, Amadouba, merci. Tu nous as fait manger sauce arachide de peul et sauce feuille mélangée de l'huile rouge à la façon peul. Tu es mon frère, on est ensemble, mon fils spirituel, Amadouba. Ah, pour faire n'est pas aussi joli, non, m'attraitez-moi, les blancs vont me prendre. Ah, Yorona supérieur, non? Pourquoi lundi, c'est Yorona supérieur. C'est Yorona supérieur. Nos États-Unis ici. Ah, maintenant là, tu as fait au prophète Crasso, c'est l'ONU qui va venir t'attraper. Maintenant là, c'est excellence. Hein? On est rentré dans la grande diplomatie du monde. Parce qu'on a notre mot à dire. Hein? On a maintenant notre mot à dire dans les décisions que prendra le monde. Le monde, on doit parler. On a des connexions. Je sors avec, grandi dans la tête, avec des grandes connexions. Franchement, les États-Unis, on dit comment Bana. Ici, là, on ne parle même pas. Comment Bana, hein? Moi, je suis devant. Si tu ne veux pas croire à moi, moi, je crois à moi-même. Hein. Il n'est pas besoin de croire à moi-même. Il ne faut même pas croire à moi. Je crois à moi-même. Ah, je crois à moi. De... On n'est même pas la même chose. Je crois à moi. Voilà, donc je reviens grandi dans la tête. Grandi dans la tête. Tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà. Dieu ne peut pas se t'arracher. Il y a une fille là. Tu ne peux pas se t'arracher dans le voici ici. C'est un manger sous arachide. Hein? Il a bossé. Hein? Il m'a donné l'envie, il a pris sa ta vie vite. Ah, moi, il me réveille matin, je suis dans le feu de rien, hein, sauce. Hein? Il veut m'envoyer dans les croissants, je ne suis pas dedans. Hein? Tu veux faire comme blanc, tu seras comme. Moi, je ne suis pas blanc. Désolé. Hein. Turn right to merge onto I-95 South. Voilà, sinon tout va bien. Vous voyez, il y a une bonne mine. Voilà. Tout est propre ici. Parlez seulement. Maintenant, je vous encourage de m'insulter. Plus vous m'insultez, les gens cherchent à savoir qui je suis. Et quand ils découvrent que je suis bien, là, ils m'appellent même pour me faire me bénir. Allons seulement. Vous êtes les enfants de Satan, c'est vous qui insultez les gens. Nous, on aime les gens. On apporte la vie autour de nous. On se bat pour que les gens aient leur... Moi, je ne vis pas pour... Moi-même, je vis pour les autres. Donc, le Seigneur ne permettra pas que vous ayez raison sur moi. Cause à cause de nous, ils voyagent. Moi, je ne suis pas avec quelqu'un, hein? Ce qui va là même ne peut pas venir là où je suis là. Ils peuvent même pas. Non. Ils vont faire comme moi-même pour venir ici. Ils peuvent même pas là où je rentre là. Ils peuvent même pas. Donc on n'est même pas la même chose. Les gens qu'on rencontre ici aux États-Unis, ils ne peuvent pas s'asseoir avec eux pour discuter. Ils ont fait leur campagne de dénigrement pour m'insulter, tout ça, rencontrer des choses. Mais quand HM. Baruch Hachem est avec toi, il t'apporte la gloire. Moi, j'ai été appelé par Baruch Hachem. Donc, la grâce là m'accompagne tous les jours de ma vie. Il me donne la possibilité d'avoir la grandeur. Voilà, la grandeur et tout ça. Donc, j'ai mon mot à dire à l'ONU. La sorcellerie est une réalité. Aujourd'hui, là, j'ai mon mot à dire à l'ONU. Je dois aussi siéger à l'ONU pour prendre des décisions parce que c'est le droit de l'homme. Nous luttons tous contre le droit de l'homme. Voilà, donc l'autre exposé, quand les gens écoutent là,
Ils savent que maintenant, les crimes spirituels existent. C'est ce qu'on appelle sorcellerie, le nom scientifique. Voilà, la destruction, c'est les crimes. Et les crimes spirituels et la délinquance spirituelle. Voilà, donc les gens veulent, ils voient un peu le travail qu'a fait le prophète Crasso. Donc, j'ai mon mot à dire dans les grandes décisions qui prendront le monde. Voilà, ça c'est un départ. Et dans le mois d'avril, je reviendrai encore à l'ONU pour siéger, parler de beaucoup de choses. Vous allez me voir encore dans plusieurs conférences, dans beaucoup d'activités de l'ONU en avril prochain. Voilà. C'est comme ça, Hachem bénit les gens. Voilà, Hachem. Hachem élève les gens davantage, c'est ce qu'il est en train de faire. Quand tu es d'Hachem, il te bénit. Hein. Hachem, ça veut dire Dieu en hébreu. Hein. Faut pas vous aller vous tromper, penser que c'est un autre nom. C'est en hébreu. Je vous parle l'hébreu un peu. Voilà, donc tout va bien ici par la grâce de Dieu. Baruch Hachem, ouais, sois béni. On dit tu es rabbin, on dit tu es pasteur, mais tu fais sortir des révélations. Hein. Ton nom là, tu as écrit ça en hébreu, on ne sait pas comment lire. Mais big respect. J'ai un big respect pour toi aussi. Ouais, parce que tu nous donnes quelques inspirations. Voilà, donc par vos prières, le Seigneur attend de m'élever. Bientôt le prophète prendra des grandes décisions dans le monde. Il aura son mot aussi à dire à l'ONU. Voilà, sinon tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, sinon tout va bien par la grâce de Dieu. Très bientôt, l'Europe. Cette semaine, je serai à Abidjan. J'arrive à Abidjan cette semaine par la grâce de Dieu. Merci pour vos prières, pour vos intercessions. Merci parce que les États-Unis étaient une bénédiction pour moi. Voilà, merci. Non, c'est pas Serge. Il dit c'est Serge. C'est pas Serge Lorraine. C'est Naïn Olivier. Il dit c'est Serge Lorraine que j'ai appelé là, le gars là. C'est Naïn Olivier, Olivier Naïn. Qui t'a parlé hier là, Boga? Alain. Lui qui a dit t'es Boga Doudou là. Elle vient de pas tuer mon gars. Hein. C'est Olivier Naïn, c'est Olivier. C'est pas Serge Laurier. Quoi? Ouais, ouais, c'est le joueur de PSG qui est à côté de toi. Non, hein. Beaucoup même. Hein, c'est pas moi. C'est pas lui. Voilà, c'est pas lui. Hier, tu disais non, c'est Boga Doudou. Il dit pardon. Mon gars là, il est. Pardon, faut le laisser vivre. Hein. Il est même Boga Doudou. Il dit Alain, il dit Boga Alain, Boga Doudou Alain. Boga Doudou. C'est Boga Alain. Oui, j'arrive bientôt en Europe. Je suis dans le tunnel. C'est pour ça que la lumière, c'est pour ça que la vidéo est un peu sombre là. Hein. Voilà. Je suis dans le tunnel. Hein. Dans le tunnel, mais on peut communiquer par la grâce de Dieu. Sinon, j'arrive en Europe. J'arrive. J'ai tellement envie de voir aussi l'Afrique. J'ai tellement envie de voir tout le monde. Je reviens avec des enseignements de pointe. Je reviens avec beaucoup de choses. Ma chère Afrique, j'ai envie de voir ma chère Afrique. Nous luttons pour que l'Afrique soit de sous-développement. Nous luttons pour que l'Afrique vraiment puisse atteindre le sommet aussi du développement. Voilà, c'est pour ça que nous luttons nous autres. Donc le continent africain, ils m'ont vu, on dit, est-ce que le prophète peut retourner? Passons te voir là. Il y a un gars qui m'avait dit, mais tu dois maintenant repartir à Zaroko. Je n'ai pas dit quelque chose. Pourquoi me donner les ordres? Quand je suis à Zaroko là, vous ne payez pas ma facture de courant. Vous ne payez pas mon eau. Je suis venu là. Vous faites un travail, moi, à l'ONU là. C'est de chercher les connexions. Quand on m'insulte, vous ne dites rien. Moi, je suis venu chercher les attaches. Pour poursuivre mon travail. Donc, si je suis en Europe ici, ça ne doit pas dérailler quelqu'un. Voilà. Ça ne doit pas dérailler quelqu'un. Ne m'emmerdez pas. Si vous n'avez rien à dire, ne faites pas les commentaires sur mes photos. Laissez-moi tranquille. Je sais ce que je veux. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a demandé de rester à Divo. Voilà. Donc, il ne faut pas vous aller faire des commentaires bizarres. Moi-même, d'ailleurs, quand quelqu'un commence à faire des commentaires bizarres, je le bloque. Parce que je ne suis pas camarade de quelqu'un. Voilà. Je suis serviteur de Dieu. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je veux. Je ne suis pas un homme envieux. Voilà. J'ai fait déjà le tout, la plupart du monde. Donc rien ne m'effraie, quoi. Maintenant, là, c'est l'ONU. Voilà. Ouais, le temps donne les raisons aux gens. Quand on parle mal de vous, taisez-vous, le temps vous donnera raison. Simple. Voilà, le temps vous donnera raison. Le temps, là, c'est un autre nom de Dieu. Aujourd'hui, on est avec des grandes personnes.
qui prend des grandes décisions dans le monde. Voilà, donc le prophète Krasso à ce mot a dit, parce que c'est le combat que je mène aussi, le droit de l'homme dans le monde. Voilà, sinon tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà. Et les gens me voient, ils disent, mais il faut rentrer vite à Divo. Moi, je ne suis pas à Divo à cause de quelqu'un. Je suis à Divo à cause des gens. Je suis venu prendre des attaches ici. Comme insultait sur Internet, la personne ne parlait. Donc, je suis venu chercher des connexions pour poursuivre mon travail. Venir de temps en temps à l'ONU ici pour positionner, pour que les crimes spirituels et la délinquance soient pris en compte par l'ONU. Pour que un mot d'ordre soit lancé pour qu'on puisse mettre frein à la sorcellerie dans le monde entier. Comme dans le mot d'ordre pour aller traquer le sorcier dans le monde entier. C'est ce qui est la vérité. Que ça ne s'arrête pas au niveau de la Côte d'Ivoire seulement. Voilà, donc je suis venu pour pousser une vision. Donc je retourne cette semaine. Si je retourne, je serai à Divo. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour Abidjan, je suis à Divo. C'est vrai que j'ai ma maison à Abidjan, mais je travaille à Divo. Maintenant, j'ai une annonce capitale pour ceux de l'Europe. C'est très bientôt. Voilà, j'arrive très bientôt pour l'Europe. Organisez-vous, j'arrive très bientôt. J'arrive. Et quand je dis j'arrive, j'arrive pour que le Seigneur puisse vous délivrer. Ici, il y a eu des grandes délivrances. On a vu des esprits sortis des pieds, des gens qui ont voûté, qui ne peuvent pas travailler, qui ont été guéris par la puissance de Jésus-Christ. On a eu des gens qui ne pouvaient pas travailler pendant des années. On a versé l'huile sur eux et puis ils ont été guéris. Maintenant, en ce qui concerne l'huile, je vais te donner une annonce. En ce qui concerne l'huile, tout vendu à Reto Nouveau de l'Europe. Voilà, donc le frère Dibi, ce n'est plus lui qui s'occupe de ça. Mais c'est depuis le secrétariat à Divo. Le frère Dibi, Fernand de l'Italie, ne s'occupe plus des ventes d'huile. C'est maintenant au niveau de Abidjan. Voilà, Divo. Et vous devez attendre à ce que je revienne sur l'Europe. Pour continuer donc, il a stoppé, il ne touchera plus de vente d'huile, tout se passera. Notre huile là, moi je vends ça, ça bénit, voilà. Ça bénit et ça délivre les gens. On a versé l'huile sur une soeur, plusieurs personnes même qui ont eu du boulot ici. En quelques temps, ils ont du boulot. J'arrive en Grèce. Ouais, ma fille, j'arrive. Je serai en Grèce. C'est confirmé pour la Grèce. Je serai en Italie, à Milan. Je serai à Milan, c'est confirmé. Je serai en Espagne, à Madrid encore, c'est confirmé. Je serai à Paris pour un grand programme, c'est confirmé. Je serai à Toulouse, c'est confirmé. Je serai à Lyon, c'est confirmé. Donc écoutez-moi très bien. Je serai en Grèce. Je serai en Italie. Je serai en France, Paris, Toulouse et Lyon, confirmé. En Italie, je serai en Italie. Voilà, je serai en Italie, à Milan. En Italie, ça sera à Milan. Voilà, donc nous sommes en train d'organiser. Appelez déjà le secrétariat pour l'organisation. Le frère Dibi, il ne s'occupe plus des ventes d'huile. Le frère Dibi, Fernand d'Italie, ne s'occupe plus des ventes d'huile, c'est stoppé. Voilà, donc désormais, c'est depuis. Donc je rentre à Abidjan. D'ici quelques temps, je ferai une déclaration. Ma venue sur l'Europe. Voilà. Après les États-Unis, bien sûr l'Europe. J'arrive très bientôt. Voilà. J'arrive en Europe bientôt. Voilà. J'arrive bientôt. Plus de vente d'huile sur l'Europe, tout se fera à partir de Divo. Parce que j'arrive. Apprêtez-vous. Ici, on a arraché des béquilles aux gens qui étaient malades. Voilà, on a mis des fers dans les pieds, Dieu les a guéris. Il y a eu trop de miracles. Trop de miracles. Trop de miracles. Les gens qui étaient envoûtés, insuffisants rénal, Dieu a guéri. Ici, il y a eu trop de miracles. Il y a eu trop de miracles ici. Hein. Trop de miracles aux États-Unis. Voilà. Les gens qui ont vomi des choses sont sortis en eux. Des envoûtements terribles.
ont été délivrés. Donc j'arrive bientôt en Europe. Bientôt en Europe. Je serai en Grèce. Je serai en Espagne, à Milan. En même temps, je passerai, je serai en France, à Paris. Un grand programme sur Paris, sur Toulouse et Lyon. Sur Toulouse, Lyon et Paris. Et en Italie, je serai à Milan. Voilà, donc voici un peu. Et quand j'ai fini ce programme, je rentre après aux États-Unis pour poursuivre ma tournée américaine. Voilà, donc on aura le temps de vous parler. J'aurai l'occasion de vous communiquer là-dessus. Je viens de terminer la première édition de ma tournée américaine. La première étape plutôt. Il en aura deux, plus deux. Je finis. J'arrive. J'arrive pour vous établir dans la gloire. Parce que les gens qui ont reçu l'onction d'Hachem, Baruch. L'Hachem. L'Hachem, vous avez dit Dieu en hébreu. Voilà, dont je parle, Hachem, Baruch. Voilà, il y a des gens qui ont reçu l'onction de Hachem. Quand tu les rencontres, ils te font de toi grand. Voilà. Comme je disais, c'est une chaîne télé. C'est pas de l'orgueil. Je sais qui m'a appelé. Donc je ne joue pas avec ça. Si, j'ai dit aux gens, si on vous amène dans un village ou dans un pays, qu'un sorcier, un petit chien parle, envoyez-moi en 5 minutes. Je règle son problème. Je lui ai montré que Jésus-Christ est Seigneur. Je ferme sa bouche. La puissance que Dieu nous a donnée, c'est pas amusement. Chacun a son onction. Hein. Moi, je ne joue pas à ça. Dieu m'a donné un pouvoir, je ne joue pas à ça. Pour mater la sorcellerie. Ah, je mate la sorcellerie. Hein. Je ne joue pas à ça. Je vais aller jusqu'à un sorcier me rencontre, il a oublié de plier sa petite quinsale. Le sorcier me rencontre, il plie sa petite quinsale. Parce que je suis maréchal de cette brigade-là. Qui lutte contre la sorcellerie. Oui, allô? Ouais, j'arrive en Grèce. Je serai en Grèce. Je suis derrière le GPS avec qui est à New York. Je serai en Grèce. Je serai en Italie. Je serai en Espagne et en France. Quatre pays. Quatre pays. Grèce, Italie, Espagne et la France. C'est pour bientôt. J'arrive bientôt. Il faut qu'on mette les sorciers au pas. C'est nous les Africains là. On nous a volés, non? Voilà. Dieu va nous élever. C'est notre temps. C'est notre temps. On va balayer la sorcellerie. Et vous allez tous percer. Le sol européen, vous êtes là. Vous doit beaucoup de choses. Voilà. Je vais venir vous montrer les mystères. Comment posséder la terre. Comment posséder les choses. Parce que les choses, ce n'est pas seulement prière. Il faut avoir la connaissance. C'est tout. Ah. Donc j'arrive bientôt. Voilà, grâce de Dieu. Voilà, donc je disais comme ça, je reprends l'annonce. Le frère Dibi Fernand ne s'occupe plus des vents des huiles sur l'Europe. Voilà. Voilà. Tous ceux qui veulent maintenant la vente d'huile, c'est abattu d'Abidjan, est Divo, le siège Divo. Ceux qui veulent les huiles d'onction, voilà. C'est à Divo. C'est à Divo, je précise. Tous ceux qui vont prendre de l'huile ailleurs, ça ne vient pas de nous. Voilà, c'est stoppé. Toute vente d'huile est stoppée. Sur tout l'étendue du territoire européen. Voilà. Tout se fera à Divo. Je rentre cette semaine à Divo par la grâce de Dieu. On aura des annonces. Je vais préciser les dates de ma tournée européenne. Mais vous avez bien vu, hein, les Européens, là. Vous avez vu, hein. Vous avez des yeux pour voir, hein. Vous avez vu comment les Américains m'ont béni, hein. Ah. Vous avez bien vu. Oh. J'arrive bientôt. Italie, Espagne,
Grèce. J'arrive en Grèce. Grèce, Italie, Espagne et France. Grèce, Italie, Espagne et France. Très bientôt. Les gens doivent vous donner tout ce qu'ils vous ont volé. Ils ont fait de nous des esclaves. On a travaillé pour eux. Ils ont pris nos sous-sols. Ils ont mangé tout. C'est notre temps. Ils vont nous rembourser tout ça. Ouais. Ouais, c'est le temps où l'Afrique doit s'élever maintenant. Voilà. Le seul problème, il faut que l'Afrique se détaille la sorcellerie. On est trop jaloux et gris. Quand on voit quelqu'un percer, on a la sorcellerie qui se manifeste, tout ça. Sinon, tout va bien. C'est cette voie-là, tout le pont qu'on a trouvé là. Franchement, on va traverser ça. Je vais vous montrer après le pont. On va laisser ça derrière. Hein? Je vais laisser ça derrière. Hein? Bah, une autre fois. Ok. C'est à combien d'heures de bâtiment? Nous sommes à 3 heures. Ouais. C'est Colombia là chez moi. Hein? T'as vu chez moi Colombia? Pourquoi? T'as vu chez moi Colombia? Droite, j'ai 3 chez moi. Vous allez visiter le musée. Hein, c'est demain? C'est demain. Ah. Le musée, c'est à Washington DC. Mais c'est plus la peine. Hein? C'est plus la peine. On n'a pas eu le temps. Voilà, qu'on a dormi hier, on ne peut pas vite se réveiller. Ouais, les maps là-haut fatiguent, non? Ils sont vaincus, le fessieux. En route pour Baltimore. Durant cette semaine. Vous avez vu comment les Américains s'occupaient de moi. Vous avez vu aujourd'hui le prophète Crasso, c'est excellence maréchal, prophète Joël Crasso. Il doit maintenant prendre les grandes décisions, siéger aux Nations Unies, pour parler de grandes choses. Le mois prochain, nous allons inaugurer, cette mois-ci, d'ici deux semaines, nous allons inaugurer l'orphelinat, la fondation. Vous verrez vous-même les dons qu'ont fait les Américains. Super. Voilà. Ouais. Trop propre. J'ai fait voyager dans New York là. Hein. Ah ouais. Les portables ont vu New York en même temps. J'arrive bientôt en Europe. La Grèce, l'Italie, l'Espagne, France. Grèce, l'Italie, Espagne, France. Bientôt. Je serai de retour dans le mois d'avril encore ici pour un grand programme sur New York. Ouais. Un très très grand programme d'une semaine sur New York. L'année prochaine, je reviens pour deux mois sur les États-Unis. Ouais. Deux mois.
faire beaucoup d'états. On va arriver à Californie, on sera à Dallas, on va arriver à Dallas, dans l'état du Texas, dans beaucoup d'états. Ouais, donc je suis en train de voyager en route. Laissez les gens parler seulement. Les jaloux vont voir migraine. Généralement, ceux qui parlent beaucoup, ils ne sont rien. Parce que quand quelqu'un, quelque chose, il ne parle pas beaucoup. Je vous parle de mon appel. Je suis né au service de Jésus et non Satan. Le temps déterminera un jour. Shalom. C'est moi qui chante le morceau. C'est moi qui chante, c'est mon album ça. Mon 7e album. À mon salé, c'est ma chanson. Tout le monde connaît ça. C'est moi qui chante. Je suis chanteur. Mon premier album est sorti depuis 2004. Amo,
Alibé, 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 l'année passée était une année très difficile pour toi, c'est vrai. Mais cette année sera l'année de l'accomplissement de toutes tes prophéties. Mariage, enfantement, voyage, succès, élévation. Car tu seras pour l'Éternel une source de bénédiction. Et pour cela, chante avec moi, je chante. Ceux qui traversent des moments difficiles, seul Dieu peut nous sauver.
Come on, Vasile, la gosia da mio.